Gloria et les quatre saisons, deux œuvres incontournables d'Antonio Vivaldi, seront bientôt jouées à Gennevilliers. Le concert rassemblera l'orchestre du conservatoire et pas moins de 90 chanteurs sous la baguette de Didier Louis. On va commencer par les quatre saisons, c'est ces poèmes qu'on attribue à Vivaldi d'ailleurs, hein, qui décrivent chaque saison avec chaque moment de la saison. Et après on fait le Gloria, parce que là on a cet orchestre, plus tout le cœur. Donc là, finalement, pour faire le Gloria, on va être 120, quoi. La musique de Vivaldi, ça a influencé la quasi-totalité de la musique de variété du XXe siècle. Les systèmes harmoniques de Vivaldi fonctionnent jusqu'à nos jours. C'est la même musique, sauf que Vivaldi, surtout dans les quatre saisons, il profite de la musique pour décrire quelque chose. C'est comme une musique de film pour laquelle il n'y a pas besoin du film. Et le Gloria de Vivaldi, c'est un truc qui marche partout, tout le temps, avec tout le monde. Il faut quand même se dire que cette musique, si elle, 300 ans après, on continue de la jouer et de l'écouter, c'est pas un hasard. Ça dure, ça marche, c'est bon. C'est, en fait, c'est du bon patrimoine garanti, quoi. Les représentations auront lieu les 19 et 20 mai à 19h à l'église Sainte-Marie-Madeleine. It's dangerous to go alone. Mélanie Courtina, artiste immersive, et Charles Asquette, artiste peintre, ont uni leurs talents dans une exposition inspirée des jeux vidéo. On a eu l'idée de rapprocher nos pratiques et de créer un dialogue entre les paysages que moi je peignais et les paysages que Mélanie créait. Certains paysages de jeux vidéo qui sont empreints d'émotion, empreints d'une certaine nostalgie, chez Charles, dans ces paysages-là, se retrouvent dans l'approche du level design, du jeu vidéo, des décors de ce dernier. Et même si on a été très différents, on parle le même langage, on a foulé un peu du pied les mêmes univers virtuels. Et pour beaucoup de gens qui n'ont pas connu les paysages que je peins, ça va simplement être une peinture de paysage qui pourrait être un paysage de plaine, qui pourrait être un paysage désertique, quelque chose comme ça. Mais pour beaucoup de gens qui ont connu ces univers virtuels, à ce moment-là, ça va évoquer quelque chose de très personnel, profondément viscéral, puisque tous ceux qui ont joué à Zelda reconnaissent la plaine d'Hyrule, et tous ceux qui ont joué à Counter-Strike vont reconnaître DOS2 que j'ai peint aussi. Le jeu vidéo, c'est mon médium de prédilection, celui autour duquel j'aime réfléchir, et je suis persuadée que pour pouvoir lui donner ses lettres de noblesse, au même titre que le cinéma ou que d'autres formes de création, il y a besoin de collaborer avec d'autres types de pratiques créatives, musique, architecture. Le fait d'amener le jeu vidéo dans un espace d'art contemporain aussi, je trouve ça très fort. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir ces paysages virtuels à la galerie Édouard Manet jusqu'au 10 juin.